Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour Samira. Samira, comment tu vas? Bonjour la reine, tu es tout. Je vais vous parler du matin et pourquoi c'est important pour vous de maîtriser votre matin. Vous devez commander votre journée à partir du matin. Seigneur, je demande l'inspiration pour pouvoir parler à tes enfants. Je demande ta grâce, que les paroles qui vont sortir de ma bouche viennent de toi. Je demande l'assistance de mes ancêtres. Je demande aussi la direction. Et je reçois par la foi. Au nom de Jésus. Amen. D'accord. Vous savez, votre journée commencera sur le pied que vous avez choisi. C'est qu'il y a des gens qui se disent souvent, ouais, je me suis levé du mauvais pied. Il n'y a pas question de mauvais pied. Tu ne connais pas les rituels que tu dois faire le matin. Écoutez, ne fuyez pas le mot rituel. Rituel, ça veut dire que c'est juste quelque chose que je fais à répétition. Brosser les dents, c'est le rituel. Manger, c'est le rituel. La preuve, quand il est déjà 9h, ton ventre commence à faire coulou-coulou. Parce que ton rituel, tu es en train de le rater. Bonjour la reine Marie-Thérèse. Beaucoup de personnes ratent leur journée. Beaucoup de personnes ratent ce que le Seigneur a prévu pour elles parce que vous ne maîtrisez pas votre matinée. Bonjour Opure, la reine Opure. Opure, c'est ton nom Opure. Tu t'appelles Opure? Ou c'est le nom de Facebook? Quand vous dormez, plein de choses se passent dans la nuit. Dans votre quartier, dans votre maison. Vous pensez que certains là, vous vivez chez des bailleurs qui sont des sorciers. Certains vivaient dans les maisons que ils sont partis faire des choses pour construire la maison là. Parfois, ils ont même enterré des choses dans la fondation. Des choses mauvaises, bien sûr. Tu vois que depuis que j'ai aménagé chez le monsieur-ci, j'ai les couches de nuit. Depuis que j'ai aménagé ici, mon argent diminue seulement. Beaucoup d'entre vous que je consulte, vous me donnez toujours pour excuse que votre mère ne vous a pas montré. Oh, ma mère ne m'a pas montré comment on fait. Oh, mon père ne m'a pas montré. Et je vous dis toujours, une fois que tu connais, jusqu'à tu tombes sur mon direct comme ça, tu entends. Tu es maintenant responsable. Quand Jésus parlait, il disait que père, si je n'étais pas venu leur parler, on aurait pu dire que leur péché ne retombe pas sur eux. Mais maintenant que je leur ai parlé,
ils sont responsables. Ils sont responsables de leur péché parce que je leur ai dit et ils ont refusé. Ma mère est témoin de Jéhovah. Mon père est témoin de Jéhovah. On ne fait pas nous ça chez nous. Tu vois la fille comme ça, rien ne marche dans sa vie. Rien. Tu sais, dans ma famille, et je dis toujours, une fois que tu es déjà grande, tu as passé 20 ans, ta cousine peut même aller faire les choses. Donc ne dis plus que oh, c'est ma cousine. Il n'y a pas question de cousine sur ça. C'est ma soeur, non? C'est ma soeur. Vous allez conjuguer le verbe soeur ensemble. Maman, j'ai une amie qui est venue faire son... Elle est venue se marier ici l'autre jour. Elle a fait son mariage en août. Bonjour, Mine. Mimi, comment tu vas? Ça fait longtemps. Elle est venue, elle a fini son mariage. Rentrée avec son mari. Ils sont venus de l'Italie. Maman, les problèmes depuis 2 mois qu'ils sont rentrés là. Problème sur problème. Problème sur problème. Elle a même un petit projet de faire quelque chose là. Et la personne de votre famille qui vous aime, c'est la personne qui va vous amener que viens. Parle à part, on te lave. Prends ça, tu bois. Prends ça, tu mets à la maison. Prends ça, tu brûles là-bas. Il y a une dame qui m'a contacté l'autre jour. Excusez-moi, je ramasse quelque chose. Elle me dit, j'ai toutes les choses là ici dans la maison, j'ai ça ici, j'ai le sang de Jésus, j'ai... Dis-tu utilises... Ah. Comment est ta vie actuellement? Mes frères me parlent souvent des trucs là, non. Moi je veux qu'on m'a fait ça. Moi je suis chrétienne. Moi, je crois seulement. Ok. Ok. On t'a bien cabossé, non? Ça fait 5 ans que tu attends tes papiers, non? Et n'utilisez pas comme excuse. N'utilisez pas comme excuse que ma mère ne m'a pas appris, mon père ne m'a pas appris. Ouais, je ne savais pas moi tout ça. Hein. Bonsoir la reine Mégane. Vraiment, la reine Renée Sophie Malay. Tu es d'abord parti à l'hôpital. Parce que pour concevoir, tu fais l'amour, non? Et laissez toujours une marge de 3 à 6 mois. Ce n'est pas le premier mois que l'enfant mentait. Faut pas, parfois. Tu fais l'amour. Ma mère, tu sais, ma mère. Parfois, tu vis avec ta mère. Ta mère écoute mes vidéos comme ça, là, comme donc. Tu sens que ta mère, elle ne comprend rien. Et c'est elle qui t'a élevé. Si elle ne connaît pas, elle va te montrer quoi? Sois sérieux. Pardon, partagez ma vidéo. Déjà, en allant te coucher, je parle de ce qu'il faut faire le matin. Avant de te coucher, dormir, tu dois te laver. Tu dois faire ton lavage au sel. Parce que la nuit, là, il y a des gens qui vont venir te chercher. Ils vont venir te visiter. Ils vont vouloir venir dans ton rêve là pour te donner les mauvais trucs. Oh, j'ai mangé dans la nuit, je ne sais pas ce qui me fait mal ici là. Et je ne sais même pas. Ah, oh, oui.
J'ai toujours les couches de nuit chaque nuit. Tu te laveras les amis. Parfois, vous m'écoutez jusqu'à 22h. Vous êtes sur le téléphone comme ça, comme les zombies. J'ai dit, lavez. Hier, je parle à une dame après le direct. Elle me dit, tu sais, toute la journée, si j'ai pensé à faire le lavage des pieds, quand j'ai vu ton direct, tu lavais tes pieds. J'ai dit, hé, eh, ça veut dire que Dieu me parle. Je me demande, tu as alors fait ton lavage des pieds? Non, je n'ai pas fait. Il dit que, ouais, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Bonjour Gérald, bienvenue la reine Chica. Bonjour la reine de Saga. Dieu te parle, je te parle. On dit la même chose. Tu ne fais pas, tu veux quoi? Et les gens qui demandent à que je les consulte là. Si vous savez que vous n'avez jamais pris le sel pour vous laver avec, ne payez pas ma consultation. Peut-être vous croyez qu'il y a un super pouvoir qu'elle veut vous donner, qu'elle veut consulter. Vous êtes paresseux. Te voilà dans le lit, tu vas sauter du lit à 9h pour aller manger. Arrêtez d'être paresseux sur votre vie. Si je vous énerve, quittez le monde, je vous en prie. Mais vous devez avancer. Bonjour la reine Sarah, bonjour la reine Ba. Ça ne sert à rien qu'on me dise, oh tu as raison, j'ai pensé à ça. J'ai ça dans mon armoire. Oui, ma cousine faisait souvent ça. Tu as fait. Bonjour le roi Tamwafo. Bonjour la reine Zokui. Est-ce que tu as fait? J'ai dit, commencez avec le sel qu'il y a dans votre cuisine. Laissez le sel vert, rouge, jaune, tout ça là. Prends le sel que tu as dans la cuisine. Mets dans l'eau. Parle sur l'eau là. Lave-toi avec. La reine Didi, je reviens. Je vais aller là-bas encore dans 10 jours. Tous les 10 jours, ça. Donc je vais aller à Yaoundé 3 fois par mois. Vous êtes trop paresseux. Les gens qui vous veulent du mal. Écoutez-moi bien. Même si le marabout leur dit de dormir dehors, sur les cailloux, pour que vous n'avancez pas, ils vont aller dormir. Toi, on te dit, prends seulement, lave-toi seulement. Ça te dépasse jusqu'à aujourd'hui. Bonjour la reine Wafo. La reine Renée, vous avez dit qu'il y a sûrement des entités qui volent des grossesses. Vois un peu le cas de ta mère. Ta mère a accouché à quelle? La demande de ta mère si elle a des problèmes de conception. Bonjour le roi de Yonga. Bonjour Ngwabe. Le roi Ngwabe. Non, j'ai très bien dormi. Très bien dormi. Super bien dormi. Moi, j'étais dans les châteaux. J'étais avec les présidents, moi. Merci. Voilà le matin. Hein. Vous allez venir me regarder, regarder mon direct, regarder. Personne ne va. Levez-vous maintenant, là. Levez-vous. Partez mettre le sel dans l'eau, vous lavez avec. Yay. 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 Même quand on attache quelqu'un, hein, on n'attache pas le châssis. Oh, c'est mon oncle. Oh, c'est moi. Vous utilisez toujours les excuses des gens. Bonjour, la reine Guétan. C'est mon rang, non? Merci, merci pour vos encouragements. Bonjour, le roi Feuillot. La reine Pamela, bonjour. La reine Laura, bonjour. C'est un plaisir pour moi aussi, une bénédiction de vous connaître. Arrêtez d'être simple. Tu as ton business dans un marché, non? Il y a des gens qui sont là-bas depuis 5 heures. Ils ont déjà parlé sur tout le marché, là. Que toutes les personnes qui vont entrer aujourd'hui ici, là, vont d'abord venir dans mon comptoir. C'est dans le cas où je n'ai pas, ils vont aller ailleurs. Toi, tu es là, élan, c'est à 9 heures que tu vas ouvrir. Que tu. Je dis que vraiment, c'est la bêtise.
la bêtise. Prends l'huile d'olive avec le sel, bénis, mets sur ton eau, ton front ici là. Parle. Aujourd'hui, ma lumière s'ouvre. Aujourd'hui, mon chemin s'ouvre. Est-ce que vous savez que c'est difficile pour toi de faire la prière qui va te sauver? Tu connais ce qu'il faut faire. Bonjour, Franck, t'es moi fou. T'es moi fou. Voilà comment j'ai touché l'huile là. Je sens comment ma main. Je sens l'onction sur ma main maintenant là. Regardez, c'est du sel, sel de mer avec de l'huile d'olive. Vous mettez ça sur tous vos enfants à la maison. Vous faisiez les laver comme ça, vous oignez leur visage. Aujourd'hui, ton étoile brille. Ton étoile brille. Isaïe 10, verset 27. Toujours qui avait sur ton cou, toi mon fils, je viens que je détruis. Je détruis. Mon fils, tu vas avancer. Tu seras premier de ta classe. L'interview, on va t'accepter dessus. On va te payer le double de ton salaire. Un enfant n'est rien sans sa mère. Quand tu as un mec qui dort, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure sur le calendrier chinois. Tu vas confirmer. Tu te maries comme ça là. Dès que vous finissez le mariage, vous rentrez en Europe. Deux mois plus tard, bien. On. Mince. Le gars ne t'aime plus. Il était 11 ans. Un homme qui est quitté de la France ou de la Belgique pour venir te chercher au pays. Il t'a vu seulement en ligne. Hein. Il prend son avis, vient. Il t'épouse, il fait tous tes papiers. Un mois plus, tu rentres. On dit ok. Tu vas arriver là-bas, tu ne vas pas accoucher. Écoutez, hein? Écoutez, l'homme n'aime pas l'homme. Les gens n'aiment pas les gens. Et même le numéro spécial, si aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, tu restes, tu te dis que ah, trois grossesses, j'ai fait les fausses couches trois fois. Il y a même les grossesses qui, tu dois te cacher. Tu ne dis à personne. Il y a une dame de la Suisse à qui j'avais parlé une fois. Elle me dit, elle a une tante là, quand elle est tombée enceinte, Dieu lui a dit, ne dis pas à la femme là. Elle n'a pas dit. Elle accouche, elle poste dans le groupe familial. Ha! Maman, la femme là s'est fâchée. Massa. La mère là s'est fâchée. Ah, tu me disais tes choses avant. Hein, hein, hein. Vous allez voir le vrai visage des gens. C'est pas tout le monde qui vous aime. Comme mon cœur se manque comme ça là. Michael Ngouabe, si tu ne vois pas mon numéro sur l'écran, ici là, ferme tes yeux. Tu vas voir. Tu as compris? Ne fonctionne pas avec les. Tu es venu déranger, tu pars. Ah, c'est la seule page sur Facebook où on vous chasse. Vas-y, ne digère pas vos Decepticons là. Les pasticons, les Decepticons. Le matin, tu ne parles à personne. Première chose. Toi et ton mari, et si tu sais que tu es marié à un mari Ticone, je vais avoir les noms de tout le monde. Marie Ticone là, n'essaie pas de le changer, laisse-le comme il est. C'est toi qui dois changer. Tu as le mari Ticone. Il y a les gens de mari qui, il a un bon cœur, il ne va pas te déranger. Quand tu vas aller faire tes trucs, il te dépose, tu vas, tu fais. Tu regardes tes vidéos, tu mets tes écouteurs, il ne te dérange pas. Il y a l'autre qui. Il y a des femmes qui achètent des produits chez moi. Quand ça arrive dans leur pays, elles doivent. J'ai dit que mamie, pardon, met dans les bouteilles Tanguy. Donc il va fouiller la main, il va voir seulement
Bouteille, 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 il ne sait pas quoi et quoi. Parce qu'il va vous dire. C'est pour faire quoi ça? Toi et tes... Voilà les problèmes. Donc il y a les maris ticones, il y a les bons maris. Bonjour Joséphine Magnier. Tu dois acheter les produits à Paris. Achète ça. Donc le matin, si tu sais que tu as un mari ticone, mets ton alarme très tôt parce que les hommes dorment trop. Donc tu vas te réveiller plus vite que ton mari. Pas dans ta douche, puis à 4h30. Tes bains là, tu prépares, tu te mets là où le soleil se lève, voilà le soleil qui se lève à l'est. Tu fais face à l'est. Tu cherches le balai. Si tu n'as pas le balai, tu prends les feuilles de bananier que tu mets sous tes pieds pour faire ton bain. Il y a une vidéo où je montre comment utiliser ça. C'est sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous ai dit YouTube, ne battez pas, ne battez pas. Vous avez compris. Comme vous n'avez pas donné un like à quelqu'un là. Vous ne pouvez pas partager les choses de quelqu'un. Chérie, Dieu voit votre cœur. Voilà, je vous ai montré comment utiliser ça dans la vidéo. C'est sur YouTube. Vous prenez ça. Vous prenez les grains, vous mettez dans votre bouche. Vous prenez d'autres grains, vous mettez dans votre main. Et j'ai bien dit qu'avant de dormir, tu as fait ton lavage et tu sais ce que tu veux. Tu te mets face au soleil là. Tu déclares. Tu déclares. Ça, dans la première parole qui sort de ta bouche, ce sont des déclarations que tu fais avec ça. Aujourd'hui, 22, quoi là, décembre, ou bien 2, 3, 4, 5, 4 décembre 2021, je reçois. Vous mettez les dates, les sommes d'argent, la guérison de qui vous voulez. C'est quelqu'un qui peut-être veut le boulot. Peut-être tu dis ce que tu veux faire avec l'argent. L'argent, si c'est pour faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, je déclare que ce mois, je conçois. Tu mets ta main sur ton ventre, tu appelles ton enfant. Si tu es enceinte, je déclare que tu vas grandir en santé. Je vais t'accoucher, tu seras fort. Tout ce que vous voulez de votre vie. Ma sœur Feuillot, ça c'est l'enfant qui écrit. Il ne savait pas qu'il utilisait le téléphone. Hein? Oh yo! Mon fils écrit déjà, c'est bien ça. Tu parles sur ta journée. Tu déclares. Somme d'argent. Je précise beaucoup sur l'argent parce que quand les gens, je reçois les gens ici dans la journée, tu veux quoi? Je veux la prospérité. Je veux la stabilité. Stabilité Mbawa. Hein? Stabilité, c'est quoi? Pour toi, la stabilité, c'est quoi? Tu peux demander un homme. Dieu t'envoie un gars foiré comme No Man Business. Tu veux quel genre d'homme? Comment? Qui va faire quoi? Parce que quand vous demandez là, vous ne connaissez pas demander. Tu dois déclarer toute ta force du matin. Parce que quand tu te réveilles le matin, il y a la puissance. Bonjour la reine Mandel. Il y a la puissance dans ton ventre. Il y a encore la force dans ton ventre. Toute ton énergie, si tu te concentres, tu vas sentir. Si depuis là, tu fais les bains, tu vas sentir l'énergie dans tes bras, dans tes pieds, tu vas sentir comment ton corps, comment l'énergie fait commence à te dépasser sur ton corps. Il veut 15 millions pour construire ma maison d'ici février 2022. Je veux 18 millions pour ouvrir mon business dans tel endroit. Je veux 50 000 euros d'ici décembre 2022 pour finir de payer mon crédit bancaire. Tu veux quoi? Pour faire quoi? Bonjour la reine Aurélie. Tu as le même prénom de ma fille. Et ma mère aussi avait le même prénom. Le roi Feuillot laisse l'enfant là tranquille. Quand il va marcher, tu vas lire sur le canapé. Ouais. Bonjour la reine Aïcha. Toutes les personnes qui sont nouvelles,
Hey, Cécile, c'est Genlis. On était à, oui, j'étais à Sainte-Thérèse. Tu me reconnais encore? Mais vous, là, mais vous êtes fort, vous me reconnaissez. Je suis allé à Sainte-Thérèse, oui. J'ai fait CIL jusqu'au cours moins 2. Donc, il fait le cours moins 1. Parce qu'il fait le concours d'entrée en 6e au cours moins 1. Donc, je n'ai pas fait le cours moins 2. Vous me reconnaissez encore? En tout cas, retenez bien le visage, si. Quand il serait président de la République, vous arrivez à la porte comme ça, vous disant que je veux voir la présidente, j'étais à l'école avec elle. Vraiment. Tous les gens avec lesquels je suis parti à l'école, quand il serait président, là, vous allez avoir libre accès. Vous riez. Je disais qu'on parle sur sa journée. Moi, il dit moi mes choses. Écoutez, vous n'avez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous m'entendez? Bonjour la reine Calix. Quand vous parlez, bâton de commandement, vous parlez, vous déclarez, vous finissez, vous mâchez. Allez regarder ma vidéo sur YouTube. Vous allez voir ce qu'on fait avec ça pour commander le matin. Mince, on a fait de la CIL au CM1 ensemble. Franchement, bonjour la reine Chamabé. Vous finissez avec ça, vous partez maintenant à l'eau. Si vous êtes nouveau sur ma page, je ne veux pas la paresse. Je ne veux pas la paresse. Allez regarder les vidéos. Dimanche, la semaine passée, j'ai fait. Lundi, mardi, mercredi, j'ai fait des vidéos. Même hier soir, j'ai monté le lavage des pieds. Mercredi, j'ai fait le bain de romarin avant d'aller à Yaoundé. Il y a les bains que si tu n'as pas l'argent, tu peux faire. Il y a ce que si tu as l'argent, tu peux faire. Bonjour la reine Yonke. Tous les gens qui sont nouveaux ici, là, vous ne pouvez pas passer une semaine sans vous laver avec le sel. Donc j'ai fini déjà. Je suis le, là, il est 4h30. Le mari t'y condamne encore. Tu pars, tu fais ça, tu déclares. Dès que tu déclares maintenant, toujours sans parler à quelqu'un, tu prépares ton bain. De préférence, fais un nouveau bain à chaque fois. La reine Wafo, moi, il va crier sur toi. Moi, j'ai vraiment crier sur toi. Bonjour la reine de Méni. Vous mettez l'eau dans le seau, l'eau du forage ou l'eau du puits. Vous mettez les sels dedans. Si vous n'avez pas encore les sels, vous attendez que vos sels arrivent, vous avez commandé. J'ai tellement de témoignages. J'ai une dame hier qui m'a dit, elle a commencé avec les sels. Elle n'a que le sel de mer. Elle m'appelle et me dit que non, je vais te faire l'offrande. Non, non, je vais te faire l'offrande. Je dis que ok, mamie, dis-moi alors. Que maman, j'ai fait les bains. Ça fait 3 jours que j'ai fait des bains. Et je parle comme tu dis de parler là. Première nuit, j'ai rêvé. Je crois que la dame, elle est en. Vous êtes dans tellement de pays. Je sais pas si c'est Dubaï, je sais pas. Elle dit. Bonjour la reine Zamba Moba. Bonjour Daniel Thio. Voilà. J'ai fait un rêve. J'étais couché dans une forêt. J'étais perdu. Après, quelqu'un vient me réveiller. Il me montre la direction que passe comme ça, tu vas arriver en route. J'arrive à un endroit, il y a l'eau. On me dit, lave-toi. Écoutez, ça, c'est dans son rêve. Je commence à me laver. Quand il me lave, les cories tombent de mon corps avec la cola. Tous ceux à qui j'ai posté les choses récemment, je vous ai envoyé. Ça c'est devenu très rare sur le marché. Et je vous ai envoyé les courriers. Au moins deux ou trois. Un dans votre porte-monnaie d'office. Bonjour, la reine Fumakundi. Elle me dit qu'elle s'est lavée dans le rêve. Les courriers tombaient de son corps. La cola, les courriers, la cola. Elle finit maintenant. La voix de la personne lui dit, passe comme ça, tu vas arriver en route. Elle fait la rue finalement en route.
La maison dit que tu es maintenant délivré. La reine Tchamabe, j'ai mis le lien sur ce direct. Donc la page, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E, The Gift Digger Academy. Le même nom que ce Facebook-là. C'est la même chose sur YouTube. Elle dit, donc elle m'appelle avec la joie. Que maman, je n'ai pas encore reçu les sels, mais le jas de la, ce que je fais avec le sel, c'est ce que j'ai. Et je vois les résultats de ma vie. Je sais que je suis délivré. Je sais. Par contre, il n'y en a pas mis, vous m'appelez. Tu t'es lavé. Ah, je suis nouvelle. Ça fait seulement 2 mois que je te suis. Tu t'es lavé. Non, je suis nouvelle. Tu sais, je n'ai pas. Même si tu as l'eau Tanguy, lave-toi avec l'eau Tanguy. Prends 1 litre de mito. Tu mets dans l'eau, dans le seau. Tu finis de te laver avec le robinet là, normal. Tu laves, tu prends 1,5 litre de là, tu verses sur toi. Le bâton de commandement, la révélation était faite à qui? La reine Colette. Bonjour la reine Essomba. Chaque, écoutez, le bâton de commandement de chacun, on va vous dire comment l'utiliser. Vous êtes des rois et des reines. Quand je dis que je suis reine là, quand je dis que je suis reine des reines là, hein, Jésus a dit que je suis roi des rois. Parce qu'il était venu pour révéler la royauté de ses rois. Bonjour la reine Raïssa Tala. Oui, l'esprit de paresse. Ah bon, hein, on lui a révélé. Waouh. Je l'ai reçu ici la dernière fois, non. Elle n'avait pas de bâton de commandement. Il dit que tu ne sors pas d'ici sans avoir le bâton. Et là, les esprits lui ont montré comment utiliser. Chacun. Ouais, il y a plusieurs tailles. Il y a même la canne. Regardez. Voilà 3 tailles différentes. Chacun d'entre vous a une puissance. C'est pour ça que vous voyez dans les rêves avec les rois. Vous voyez avec le président parfois. Vous voyez avec Tho. Vous voyez avec Kanye West. Je ne sais pas quelle star. Il y a une puissance à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous avez longtemps cherché. Oh, je fais comment? Qui va me m'aider? Qui va me montrer? Et qui va? Même si quelqu'un vient vous montrer, si vous n'obéissez pas, hein? Zéro. Zéro. Ceux qui me connaissent de près, vous connaissez que moi, ma mission, que tu sois le gars, que tu sois l'enfant, qui dans ma vie, d'abord ma mission de vie. On a commencé la formation mission de vie. Est-ce que vous connaissez votre mission de vie? Est-ce que vous connaissez? Attendez qu'on vient vous dire dans le rêve, non? Je ne sais pas. Mais je suppose que ma mission, c'est de travailler pour mon boss. Tombe malade en moi, tu vas voir s'il va pas te jeter un peu au champ là. Ta mission de vie, c'est quelque chose que tu fais, tu touches la vie de chacun. Là, je suis dans ma mission. C'est pour ça que ce que vous donne, ça vous aide. Ça vous ouvre. On poste les bâtons. Un bâton, c'est 15 000 francs. Ça vient avec ma bénédiction spéciale. Formation mission de vie, c'est 100 000 francs. La formation spirituelle, c'est 500 000 francs. On commence le 10. Si vous êtes paresseux, lavez-vous d'abord. Pour la formation spirituelle, je fais les tests d'abord. Je ne prends pas n'importe qui là-dedans. Vous pouvez venir avec vos maris ticon, pasticon, tous ces trucs-là. Une amie d'enfance qui m'attache depuis. Voilà. Je vois, voilà le témoignage de quelqu'un. Et quand vous faites votre truc là, vous ne témoignez pas. Ne témoignez pas. Hein?
Vous allez rentrer là où vous étiez avant. Parce que vous savez que, ok, si elle vient témoigner cela, que quand elle fait le lavage, qu'elle dit là, ça m'a sauvé. Ça va lui donner la côte. Ça va faire, on va croire qu'elle avait raison. Gardez vos témoignages. Vous allez rentrer dans le même trou. Vous dit. Ah, ma bouche là. Souvent les Camerounais ont mauvais cœur. Et vous dites-moi. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes, comme la reine Tchana, quand elle est souvent dans mes directs, elle dit partager. Et elle connaît ce que Dieu a dit, je lui ai dit, ça a fait dans sa vie, elle vient vous dire ici là. D'autres personnes, elles restent là comme ça, élan chaque jour. Dieu fait, tu dis, ah. Il y a une là. Elle m'a contacté, la foi de la femme là. Quand elle m'a contacté, elle me dit, tout est bloqué dans ma vie. Vraiment. Yeah. Je lui dis, ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Commence à te laver avec le sel maintenant. Maintenant là. Nde. Tu es là. Elle finit de me parler. En sortant de la maison, elle va à l'école. Elle ramasse 20 euros dans le tram. Premier témoignage. Elle m'écrit à l'instant. Elle me dit que maman, j'ai ramassé 20 euros. Comme je devais te faire le transfert pour mes produits le soir, je vais envoyer ça que maintenant. Dans la journée, elle fait tout, elle rentre. Elle commence le lavage. Le lendemain, elle avait deux, trois choses qu'elle devait aller faire. Il fallait qu'on parte au village et faire un salaka sur elle, tout ça. Le lendemain, elle prend sa famille. Allez, allez, oh, partez. Le lendemain, là, premièrement, son ex, là, le père d'un de ses enfants qu'il avait bloqué depuis un an, il a débloqué. Un autre de ses ex, qu'il avait aidé pour ses papiers en Europe. Tout le monde est spirituel et germaine. Quand tu vois ta question, il semble que tu ne comprends pas. Peut-être même pas partir de la formation là. La formation spirituelle, tout le monde ici est spirituel. C'est moi que vous faites semblant. Vous laissez votre tête venir dominer. Tout le monde ici est spirituel. Pour certains, ça va souffler dans 6 mois. Pour certains, c'est ouvert maintenant. Et d'autres, vous m'écoutez, vous doutez encore, vous vous cachez. Vous croyez qu'ils mangent les gens. Pour d'autres, vous me simplifiez. Que ce n'est pas la petite fille qu'elle connaissait. Ce n'est pas la fille du charpentier là. Qu'elle connaît son père, connaît sa mère. J'ai fréquenté avec elle, on a fait le coup moins deux ensemble. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Ça me simplifiez-moi. Simplifiez-moi. Vous ne connaissez pas ce que Jésus faisait. Repartez, visionnez encore la passion du Christ. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Oh Seigneur. Jésus a mis l'eau, il prend la serviette, il met sur lui. Il se baisse, il lave. Ce n'est pas parce que la Bible n'a pas dit qu'il n'a. Sûrement, il disait que j'enlève en toi. C'est l'esprit de ceci, oh. L'esprit qui fait ça, oh. Ouais, lisez vos Bibles. Prends Dindi, tu dois intercéder pour tes enfants. Toi-même, tu as dormi. Si tes enfants pour le super, c'est que c'est toi qui as dormi. Point barre. Tant que tu n'acceptes pas. Tu comprends, non? Tant que tu n'acceptes pas, il y a les choses que tu as passées à tes enfants. Tu me comprends? Il y a les choses que tu as passées à tes enfants. Et il y a certains d'entre vous, vous êtes partis faire des enfants avec les hommes qui sont les Decepticons. Ils ont encore tous les loups, les fardeaux sur eux. À un certain âge, l'enfant commence à avoir l'esprit d'inceste qui le dérange. Tu te lèves, tu prends autorité. J'ai une reine là. Elle m'appelle hier, elle me dit que tu sais quoi? J'ai fessé mon fils avec le bâton de commandement. Bonjour la reine Odédou. Quand j'avais son âge, j'ai commis l'inceste. Je commençais à faire déjà les choses. Son père a eu à faire des attouchements sur lui. Et l'année passée, il a fait des attouchements à une de mes nièces. Je lui dis, ok. Le truc, c'est que l'enfant même niait. Il dit que il n'a pas fait.
elle a fait un de ses lavages ces jours-là. Elle dit qu'un esprit de courage l'a saisi comme ça. Elle a attrapé l'enfant comme ça. Et tu lui as dit la vérité. Maman, il a tout avoué, se confesser. Après ça, elle a prié sur lui. Que l'esprit qui m'a dérangé, qui a dérangé ton père, ne va pas t'opprimer. C'est comme ça que vos enfants. Parce que certains d'entre vous vous ont violé quand vous étiez petit. Certains d'entre vous vous ont fait des attouchements sur vous. L'esprit l'a encore sur vous. Tu es là, tu es marié. Mais il y a des choses que. Ton mari ne peut pas accéder à certaines parties de ta tête ou de ton cœur. Comment tu peux sentir ça? Tu sens comment tu es bloqué ici là. Tu sens les trucs qui te bloquent ici là. Elle dit qu'elle a pris le bâton de commandement là. Elle a fait ça avec. Imposer les mains sur lui. Mettre déclarer une messe. Priez pour vos enfants. Mes enfants font du surplace. Maman, la responsabilité, hein, c'est dans ta main. Vous êtes là, vous n'avancez pas. Pas, tu fais ça pour avancer toi-même. Va faire. Va faire. Sur la page, si j'ai 9000 abonnés, je ne sais pas c'est combien d'abonnés. 9000 quelque chose d'abonnés. Non, j'ai 14000 abonnés, j'ai 9000 quelque chose de like. Je ne vais pas parler avec 15000 personnes. Je ne peux pas. Et si vous tombez sur ma vidéo, allez faire, ça va vous aider. Il y en a parmi vous, depuis que tu as accouché, le père de ton enfant fuit. Le même esprit qui a fait que ton père t'abandonne. Ça va là, ça, sur ton enfant. Tu as pleuré, va dire, arrête de pleurer. Dieu n'écoute pas les pleurs. Seigneur. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Bonjour. Pas chou. Hier, vous avez vu comment quand il fait le bang, là, j'ai parlé, non? Levez-vous sur votre vie, sur la vie de vos enfants. Déclarez. Parler. Celle de cuisine pour commencer, c'est tout. Après, tu prends l'huile, pour ton ouin de, quand je vais te laver maintenant, pour ton ouin de, tu prends l'huile et le sel. Voilà, tu mets sur toi. En oignant comme ça, tu déclares. Tu déclares. Restauration financière. Déclare aujourd'hui que mes clients me localisent. Toute personne qui a pensé à acheter mes produits, c'est vous qui me poursuivez même avec l'argent. Tout trou qui avait sur mes mains, je ferme. Je reçois mon argent. Ah, les clients fuient. Ah, c'est chaud. C'est fort. Quand tu étais levé, tu parles sur ta journée, sur ton corps, tu ne parles pas. Hey! Oui, Annie Belle, donne ton témoignage. Donne le témoignage, mamie. Bonjour Francky, bonjour Gabi, la reine Camden. Quand vous allez commencer vos lavages, il y a les Decepticons qui vont venir. Je dois mettre ce téléphone sur le pouvoir. J'ai des personnes qui doivent venir ici là à
7h30. Je ne sais pas si c'est toi qui appelle déjà là. Mais oui, quand ils reviennent, tu as bien parlé, ma chérie. Les desserts, tu qu'on revienne, tu le prends d'abord au début un peu. Ton esprit te dit qu'arrête. Continue après, tu commences à dire que dès que tu vas te lever pour te laver le matin, tu vas faire après, bébé, laisse, tu vas faire après. Tu sautes un jour, tu ne fais plus. 2 jours. Après, tu dis, ah, la fête, elle marche même plus. Voilà comment le dessert qu'on est venu te faire, tu as laissé tes choses. Parfois il vient, donc tu as fait tes déclarations, tu as lancé ta journée, tu es chaud chaud là. Monsieur le décepticon se pointe, ou madame la décepticonesse. Pourquoi tu m'as pas appelé depuis? Hein? Pourquoi tu as appelé, tu n'as pas répondu? Il demande que, excuse me, excuse you, excuse you. Le genre de message que quand tu lis comme ça te fait ah! Lis le message, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu passes. Il y a les personnes qui se nourrissent de votre énergie. Il faut que je vienne prendre ta bonne humeur pour bien me sentir. Et ce sont les gens que vous avez permis qu'ils entrent dans votre vie. Fermez la porte. Quand quelqu'un arrive dans ta vie, écris la case plus, la case moins. Chaque jour rempli, qu'est-ce que la personne m'a apporté de plus? Qu'est-ce que la personne s'est pris de moi? Énergie, pris mon argent, pris ma nourriture, pris mon temps. Ok, donnez quoi? Argent, énergie, il est tout de mauvaise humeur, c'est moi qui le remonte. Oui, tu l'huile et le sel, tu mélanges avec ça pour te frotter. Surtout tes paroles, les paroles comptent plus que tout. Tu regardes. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Problème? Yeah, il m'a apporté les problèmes. Chaque fois que j'ai un projet, il vient me décourager. Dès que j'ai un truc, il vient, oh non, tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. Mais non, mais non, mais non, peut-être que. Il y a des gens que vous devez barrer en riant. Tu fais. Tic. Tic. Tu envoies ces conversations dans la poubelle même. Quand il écrit, ça ne vient même plus dans ton téléphone. Tu le bloques pas, mais tu. L'huile d'olive, Lucia. Lucie. Voilà, il te dit non, on va discuter après. Viens d'abord, on dort. Non, je dois me lever à 4 heures pour préparer mes commandes. Les clients arrivent à 7 heures. Ouais, bébé, dors encore, tu travailles trop. La première fois que ton argent a touché mon compte, tu t'es vu au bord de la mer avec un groupe de personnes. Tu étais comme leur guide. Je sais. Si tu étais effectivement au bord de la mer, je sais. Ça fait partie des choses qu'ils m'ont montré. Vous me regardez ces petites constats là, j'ai beaucoup de pouvoir. Hey, les besoins que les dessins tu connais, vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Vous ne pouvez pas me voir. Je suis invoyable. Vous avez quand même me contacte souvent.
Tu t'es envoyé mon argent, j'ai dit que non. Quand ton argent touche dans ma poche, vu que tu as envoyé là comme ça, 5 esprits me sont quittés de toi. Je t'ai dit. Oui, les cahiers pour les enfants, il y a ça là-bas, oui. Les cahiers de vision. J'ai envoyé ça là-bas, c'est à quelqu'un à Paris, il faut qu'on poste juste. On peut te poster ça. C'est la reine Niaga. Pour les enfants et pour les parents, oui. Et il y a les gens que vous savez que quand vous m'écoutez, quelque chose en toi, même si tu ne parles, et si tu dis ça à mon gars, il va commencer à déranger. Tu ne lui dis pas. Tu fais. Tu fais, tu vois, tu fais, tu vois, tu fais comment, tu vois comment tu avances. Parce que ta foi là, ça colle avec moi. Dieu ne m'a pas envoyé à tout le monde. Hein. C'est pour ça que les disciples qui me regardent tous les jours là. Dieu ne m'a pas envoyé à tout le monde. Quand Dieu a envoyé Jésus, hein, Jésus venait pour les Israélites. Donc quand il prêchait les Sadducées, les Pharisées, tout ça là, quand il ne comprenait pas, Jésus ne te dérangeait pas. Il ne disait pas que je veux que tout le monde soit dans mon église. Église de Jésus, jamais. Partez là-bas. Donc moi, je sais que je ne suis pas envoyé à tout le monde. Mes gens vont me reconnaître. Ils vont entendre ma parole. Ils vont faire ce que je dis. Et le Père va se manifester dans leur vie. Jésus a dit dans Jean 17, Père, Père, je me suis occupé de tout ce que tu m'as donné. Et ils sont protégés. Je leur ai donné la parole que tu as mis dans mon cœur. Je leur ai donné et ils l'ont reçu. Sois avec eux comme tu es avec moi. Vous devez connaître votre Bible. Hein? Quand ils voient les décepticons, les pasticons qui viennent ici la commenter. Si vous m'appelez sorcier, je suis sorcière. Vous m'appelez marabout, je suis marabout. Il n'y a pas de souci. Jean 17. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Jésus dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ta fille Jocelyne, afin que ta fille Jocelyne te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, Dieu m'a donné le pouvoir sur toute chair. Afin que j'accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donné. Vous allez croire la Bible. Vous allez vivre la Bible. Vous allez devenir la Bible. Arrêtez vos photos, vous partez faire plaisir au pasteur dans les églises. Non, tu connais évangélique. Oh là 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 là. On va chercher les mots ici là. Évangélique. Pasticone, évangélique. Mariticone. Continuons. Or, la vie éternelle, c'est que vous, que Dieu a amené vers moi, que vous connaissiez Dieu. C'est ça la vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celle que tu as envoyée, moi, Jocelyne Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, Seigneur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Dieu a une œuvre qu'il vous a donné de faire. Quand il vous demande quelle est votre mission de vie, ah, moi, je ne connais pas. Ah, moi, tu as appelé à faire quelque chose, c'était. Quand Jésus est venu, il a commencé sa mission de vie. Il a arrêté d'être charpentier. Quand il vous dit que certains d'entre vous allez arrêter vos boulots là. Dès qu'il a arrêté, son ministère a commencé. Certains d'entre vous ne vous connaissent pas parce que vous êtes encore dans vos anciens trucs. Moi, je ne peux pas quitter, je suis médecin. Je touche 5 000 euros le mois. Hein, on. Ton appel est plus grand que ça. Tu vas te retrouver avec 50 000 euros le mois après.
Verset 5, Jean 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Vous étiez là avant qu'on ne crée le monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, Seigneur. Les voici. Tu me les as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont fait ce que j'ai dit de faire. Garder la parole, ça veut dire que tu es en temps, tu pars, tu fais. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Seigneur. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, Seigneur. Je ne prie pas pour tout le monde. Ah! Okay. C'est pas tout le monde qui reçoit. Hein? Quand un décepticon vient, il commence à me vouloir me dire que je ne suis pas appelé à tout le monde. Vous entendez, non? Il est rien. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Oh, j'aime ça. Hein? Attendez, lis encore. Verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Seigneur, je possède la terre. Seigneur, je possède la terre. Seigneur, je possède la terre. Arrêtez de douter. Je vais vous apprendre à manger la Bible. Je vais vous apprendre à manger la parole. Vous allez sortir de la religion. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. Je prononce comme ça, vous entendez. Dès que vous entendez cette parole, ça se manifeste. Qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je dépose la joie en vous. La joie du Seigneur est la vôtre. Je vous bénis. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas de ce monde. Regardez mes fossettes. J'ai des fausses fossettes. Regardez. Souvent, ça sort. Souvent, ça ne sort pas. C'était juste une pause blague. Ok, continuons. Jean 17, verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je déclare que vous êtes préservés du mal. Au nom de Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je déclare que vous êtes sanctifiés à l'écoute de cette parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés au haut. Je vous envoie. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux, ils soient sacrifiés, ils soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Oh, la parole est sucrée. Quand tu lis la parole, tu dois sentir la puissance qui entre dans ton cœur. Tu sens comment tu vas appeler ton bâton, tu vas dire je te quitte, je démissionne. Continuons. Je fouette des caresses, vrai, vrai. Avant qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux, ils soient un en nous, parce que pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Je suis en Christ, Christ est en moi. Je suis dans le Père est dans moi. En fait, tout ça là, c'est un. Si tu veux comprendre le spirituel, c'est avec ta tête. Supposons un peu, on te prend, on te met dans une coquille. On met la coquille là dans le cœur de Jésus. Tu es en Jésus. Maintenant, on prend Jésus qui t'a dans son cœur. On le met dans le cœur du Père. Et après, maintenant, on prend le Père, on met dans tous vos cœurs. Ce qui fait que vous êtes dans son cœur, il est dans votre cœur, on ne comprend plus. Et personne ne peut te toucher là-bas. Nobody can hurt you. Never. No one. Vous entendez, non? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Que la lumière du Seigneur brille sur vous. Je dépose sur vous l'abondance. Je vous bénis aujourd'hui. Je déclare que vous êtes débarrassé de toute lourdeur. Vous êtes débarrassé de tout ce qui vous a ralenti dans le passé. Au nom de Jésus, vous revenez avec votre témoignage. Amen, amen et amen. Je scelle ceci. Ainsi soit-il.